Salut tout le monde et bienvenue dans la suite de ce let's play de Rule of Rose. Donc on se retrouve encore une fois attaché à un poteau. Apparemment c'est une habitude chez cette fille de se faire attacher au poteau. On peut pas vraiment bouger. On a beau appuyer dans tous les sens, on se débat mais on n'arrive pas à se détacher. Mais on peut remarquer qu'il y a Brown derrière nous, donc on va essayer de l'appeler. Il veut bien bouger. Voilà, donc grâce à Brown, on est délivré. Alors, la fille malchanceuse comprit que cet endroit était la vieille maison. Malheureusement pour elle, malgré ce magnifique coucher de soleil, c'était la plus malchanceuse des journées. Seul son compagnon silencieux contemplait sa souffrance. C'est ainsi que la journée débuta. Ça commence bien comme chapitre, hein, c'est plutôt encourageant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Crayon rouge. Hein? Vous vous souvenez que les... Ah, vous vous souvenez que les filles ont dit qu'un crayon rouge est la marque d'un aristocrate. Avec une magnifique faute de frappe, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, on se retrouve de nouveau dans l'orphelinat. Je vérifie qu'il n'y ait rien qui traîne, on sait jamais. Mais non. Bon, alors. La queue de l'ours, on s'en fout. Plus besoin. Le couteau, non. Je préfère mon tuyau de fer, personnellement. Voilà. Et on va... utiliser le crayon rouge avec Brown. On va bien voir où ça nous mène. Bon, déjà on sort. Et donc on se retrouve dans la maison qu'on a visitée au tout début. Là où il y avait tous les enfants qui se jouait un peu de nous, hein, on va dire ça comme ça. Sauf que cette fois-ci, on n'est plus seul, vu que Brown est avec nous. Oui. D'accord, donc oui, Brown, là. Je sais pas trop ce qui m'attend en fait, parce que là il y a le professeur qui voudrait me parler, mais Brown m'amène complètement ailleurs, donc je préfère suivre Brown. Thank you.
Spéciale la musique en tout cas. Alors, qu'est-ce qui nous attend à la cave? Généralement, c'est pas une bonne idée d'aller dans les caves quand on joue à Survival Horror, mais bon. Cellule de repentance. Ah donc il enfermait les gosses en bas, lui, c'est génial. C'est cool d'être dans un orphelinat, dis donc. Le crayon, il m'amène nulle part maintenant. Ah non, il m'amène à la promesse. Et la promesse, je peux pas. Ouais, je sais, je fais beaucoup d'aller-retour dans le menu, désolé. La promesse ne m'amène nulle part. Bon, on va déjà commencer par sortir, on verra bien. Qu'est-ce que je fais du coup? J'essaye de voir un peu tout. Toutes les pièces? Cellule de solitude. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je peux le prendre le marteau ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Non. Ça aurait été cool comme arme, ça, un gros marteau. Bon. Mais encore. Ça va être cellule de quoi, ça? Cellule de plaisir. Plaisir. Plaisir de quoi? Cellule de béatitude. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit sur le mur? On peut pas le savoir, elle veut pas le lire. Bon. C'est pas grave. En face, c'est déjà fait. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une hache? Oh, ça c'est pas mal par contre. Par contre, il n'y a plus de musique. Pourquoi il n'y a plus de musique? Ah! Ah, mais maintenant elle est revenue. Il y a Brown qui bug là. C'était pas mal, merci. Oh, merci pour ce fou rire, Brown. C'était franchement magnifique.
Moi, j'aurais trouvé une hache. Qui m'a l'air pas mal, hein. Bon, je sais pas qui je vais tuer avec cette hache, hein, mais... On verra bien. Oh là là, mais d'où je viens? Ah, oui, d'accord. C'est énorme, cette cave. Bon, là, y a rien. Et par ici, y a rien. Bon, bah, je peux remonter. Même si je n'ai pas la moindre idée d'où je dois aller. Peut-être, étant donné que j'ai la promesse que je dois monter là où il y a le club des aristocrates. Et si je me souviens bien, c'est dans le grenier. On va aller voir. Gauche ou droite? Je sais plus. Bon, on va aller à gauche. Ah, je me suis verbé. Donc, on va à droite. Et c'est fermé aussi. Alors du coup, je ne sais pas du tout où je dois aller. Est-ce que j'ai un plan de cet endroit? Ah oui. Bon, on va se promener, hein. On va bien finir par trouver quelque chose. Ça fait juste un peu psychopathe de se promener comme ça avec une hache, mais... c'est quoi ici? Bibliothèque. Ok. Il n'y a rien dans cette bibliothèque, j'ai l'impression. Non. Bon. Où est-ce qu'il faut que j'aille, moi? Bon, on va essayer de retourner dans la salle principale, dans le hall d'entrée, si on peut dire ça comme ça, et d'aller voir le professeur. Je crois que c'est la seule chose à faire. Je ne me rappelle plus de quel côté il est allé. Ça doit pas être par ici, à mon avis. Ouais, c'est fermé. Est-ce qu'il y a une porte de l'autre côté ou pas? Non. Bon. Oh! Ah, il y a quelqu'un là. Bonjour! Et lui dit quoi? Ah, il lui dit rien. Bon, pourquoi pas? Ok. Je crois qu'il est parti par là. Qu'est-ce que c'est? Sucette. Cool. Ça peut toujours être utile.
Ah, je pensais que c'était de là qu'elle venait la musique, mais apparemment non. Tiens, ça me dit quelque chose, ça. Ah, bah il est là. You dirty wretch. Why are you always trying to get out of work? Can't you do your job like all the other children? Ok. Quoi, c'est tout? Je dois aller où? Je suis complètement paumée là. En flûte. Je pensais pouvoir trouver des objets de soin avec la sucette, mais non. Bon. Est-ce que je vais... Bon allez, ça doit pas être si grand que ça. Il y a bien quelque chose qui va m'aider. Plein de trucs qui traînent partout. Bon, qu'est-ce qu'il y a par là? On va tout faire, hein, étant donné que je sais pas trop où je dois aller. Je sais pas vous, mais moi la musique elle me tape un peu plus sur le système là quand même. Ok. Ça m'aide pas des masses. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis un peu paumée. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. J'ai trouvé quelqu'un. Oui, bah écoute, pourquoi pas? Je pensais qu'elle pourrait m'aider à comprendre ce que je dois faire, mais non, en fait. Bon. Et maintenant, je suis où là? Par là, c'est la cave, on est déjà allé.
quelque chose qui brille. Oh, d'animal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ah, d'accord. C'est pour Brown. Et il n'y a rien d'autre. C'est ici qu'on s'est fait avoir au début du jeu, je pense. Où on s'est presque fait enterrer vivant. Bon. Il y a une porte là? Oui, il y a une porte. Parce que moi, pour finir, je sais plus où je suis. Je sais plus où il y a des portes ou pas. Et un autre couloir, c'est fantastique. Ah, je sens que cet épisode va être fort en émotion. Où est-ce que je suis? Ok, donc là je peux pas passer. Non, là, j'y suis déjà allée. On va retourner par là. Il y a d'autres portes que j'ai pas faites. Je vais bien trouver quelque chose quand même. Non, pas par là. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Mais absolument aucune. Mais à quoi ça sert de mettre autant de salles vides? Quelqu'un peut m'expliquer? Fermé! Oh là là! Où est-ce qu'il faut que j'aille, moi? On va se le dire l'eau. Ça, c'est le genre de moment dans un jeu vidéo qui m'énerve. Quand tu sais pas ce que tu dois faire. T'es là, tu fouilles partout, tu sais pas ce que tu cherches. Pas mal de trucs qui brillent ici. Alors. Une tarte. Brown qui bug. Une sucette. Os à viande. Ben voilà, il se passe quelque chose au moins là.
fait à la voleuse. Est-ce que je l'ai ce papier ou pas? Non, évidemment. Bon. Pourquoi Jennifer la voleuse? Encore un autre couloir. Tu peux pas arrêter de faire autant de couloirs dans cette maison. Ok, bon, on va d'abord finir de ce côté-là, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Je ne sais plus d'où je viens. Oui, je viens de là. Alors, tu vas m'ignorer aussi, toi, ou... Oui, donc oui, elle m'ignore aussi, c'est fabuleux. Là, c'est fermé. Tara. Look, there's some dust over here. Je veux pas savoir. Non, je ne veux pas savoir. Ah, un balcon, ça change. C'est une habitude de nier les gens dans cet orphelinat? Ou c'est juste moi? Bon, non, il n'y avait pas de porte ici, donc on s'en va. J'aurais honte à ta place. J'imagine, pour savoir la suite, il va falloir que j'aille un peu partout en fait et que je parle à tous les enfants, j'imagine. C'est pas de là que je viens.
filthy wretch. Dirty wretch. Sont d'une gentillesse dans cet orphelinat, c'est incroyable. Après, tu te demandes pourquoi les gosses, ils sont psychopathes. Bon, ça, c'est là où je me suis réveillée, donc on s'en fout. Ta mort pour pardon, mais ça va aller, oui. Ils sont sadiques ces gosses, c'est pas possible. Bon, je crois que j'avais vu une autre porte. Pas. Ah non, l'autre porte c'était... Oui, non, j'ai rien dit. C'est moi qui deviens folle. Il y a trop de portes, je m'en sors plus. Se ramasser un papier sur la tête. Oui. Aha. Tu auras ce que tu mérites. Il me déteste, hein, c'est incroyable ça. Bibliothèque, je suis déjà venue ici. Bon, alors c'est une autre bibliothèque. Exactement la même chose. Je dois quand même leur reparler au cas où. Même si je sais que ça sert à rien, voilà, qu'est-ce que je disais. Allez, quelle menace je vais avoir cette fois ? Viens dans le couloir. Quel couloir ? Y'a que ça des couloirs !
Non, ça, j'ai déjà fait. Ouais, ça, j'ai déjà fait. Et ici, c'était fermé. Viens dans le couloir. J'imagine que c'est dans le couloir principal. On va aller voir. Que de gentillesse. Hmm? Je me dis bien qu'il me manquait mon chien. Are the rooms all spick and span? Are the halls all...